le représentant d'Italie, se présente. Belle performance donc de Produnova. Pour l'instant, la meilleure note, c'est elle qui l'a. Forcément, elle est la première à être passée. Et nous attendons maintenant le passage d'Adriana Crischi pour l'Italie. Une Italienne qui a connu hier quelques problèmes. Voilà, elle s'était lancée et tout de suite, elle est à la barre supérieure. Changement de face. Tour complet autour du bras. Grand tour en lune, demi-tour, encore à l'équipe. Un lâcher de barre. On appelle les Ginger. Franchissement dorsal catch-up avec une belle amplitude. Prise d'élan un petit peu basse, le salto arrière tendu entre les barres. Et la sortie. Ah, dommage. Avec les demi-tours et le salto avant, un petit peu en tombant. Dommage, mais enfin, belle exécution. Bon exercice. Je ne pense pas que ça rejoindra Produnova, mais c'était un exercice assez difficile, assez complet. Avec les deux lâchés obligatoires, voici le premier ici, le Ginger, salto arrière demi-tour plus reprise de barre. Voyez, l'élévation, le demi-tour, on regarde sa barre, belle on va la chercher très vite. Belle hauteur au-dessus de cette barre supérieure. Et on voit l'effort là sur le visage. Le franchissement dorsal catch-off avec les jambes écartées. Légère flexion de jambes dans le fouetté, l'élévation, la demi-vrille et le salto avant pour terminer. Et le petit déséquilibre pour terminer, ça c'est un petit dixième de point en moins. Et oui. Voilà les notes pour Adriana Crischi, l'italienne. 9,325. Difficile pour elle de figurer dans le podium. Absolument, une petite note.